les Burek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de José avec la Coupe d'Europe, le JT de la Ligue des Champions. Le deuxième épisode, c'est la quatrième journée. Avant de commencer, je vous rappelle le concours. Et puis on démarre tout de suite. Vous savez comment ça se passe maintenant. En premier, résultat de classement. 3, le meilleur buteur, meilleur passeur. 4, l'équipe de la journée. 5, les tops. Et les... j'entends rien. Flop. Allez, c'est parti. Les résultats, ce qui nous intéresse, bah déjà un petit exploit pour Prague, hein, 0-0 face au Barça, au Camp Nou. L'OL qui s'impose 3-1 pour les clubs français face à Benfica, qui aura mené une bonne heure mais qui aura perdu 4-1 sur la pelouse de Valence en Espagne. Et Paris qui se qualifie avec Bruges en battant Bruges 1-0 sur la plus petite des démarches. Voilà pour ce qui nous intéresse, c'est la victoire atomisante du Real Madrid face au Galatasaray. Le classement, les classements maintenant avec Paris qui est désormais qualifié pour la Champions League pour les 8e de finale, tout comme le Bayern Munich, désolé pour le téléphone, et la Juventus Turin. Lyon est bien parti et a son destin en main, doit gagner les deux prochains matchs pour pouvoir finir premier du groupe en cas de victoire sur les deux prochains matchs, ils seront premiers, dont un à domicile où vous verrez le vlog. Et Lille désormais éliminé officiellement de la Ligue des Champions. Puis pour l'Europa League, c'est presque pareil. C'est pas encore fait, mais sûrement éliminé. La suite avec les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. Toujours Erling Braut Haaland de Salzbourg avec 7 buts. Juste derrière Robert Lewandowski pour 6e et 6 buts en 2e. Et pour finir le podium, Raheem Sterling et Heung-Minson égalité à 5 buts. Les passeurs, c'est Hakim Ziyech et Firmino égalité. 4 pas chacun, et après en deuxième c'est Takumi Minamino de Salzbourg et Yi Changguang de Salzbourg, et un ancien lyonnais, un joueur de la maison bavaroise, Corentin Tolisso, à 3 passes décisives. Deuxième pour Céola. L'équipe de la journée avec Navas, gardien parisien dans les cages, Ramos, Andersen, oui, un lyonnais, le premier il me semble cette année, Hakimi, un ancien madrilène, du coup, Boril, Ziyech, promesse, Jorginho, Son, Benzema et Rodrigo. Il y a 3 joueurs du Real, quand même, ça fait beaucoup. 3 joueurs du match entre l'Ajax et Chelsea. Le match spectaculaire. Les tops et les flops avec Oussem Aouar en top. Oui, l'homme, c'est l'homme du match entre l'OL et le Benfica. L'international espoir français a été super défensivement comme offensivement. Des bonnes récupérations, etc. Il a porté l'OL, même quand, félicitations. 38 000, une passe décisive à noter ce soir, en un peu plus d'une heure de jeu. À vrai dire que même quand Memphis est sorti, il a supporté l'équipe et prendre le leadership. C'est le match Ajax-Chelsea, le Chelsea-Ajax pour le deuxième top, oui. Avec, c'était complètement fou, un avantage large pour l'Ajax, le comeback des Blues et 2 cartons rouges pour les Néerlandais. Voici le scénario de ce match complètement fou, 4 buts dont 2 CSC et 2 pénaltys. Voilà. Le premier flop, manque de réalisme napolitain, oui, 30 fois au but, ils ont tiré pour 3 cadrés et un seul petit but. Il va falloir revoir tout ça, gros manque d'efficacité pour l'attaque italienne. C'est encore un manque de réalisme, je sais, je suis peut-être un peu chiant avec ça, mais c'est pareil, 27 tirs, 10 cadrés pour le Bayern. Et marqué que 2 fois, ils auraient pu... En plus, c'est pas des tirs cadrés ou des tirs non cadrés bidons. Hein. C'est des énormes occasions ratées. Et ils auraient pu atomiser l'Olympiakos. Voilà, il va falloir se remobiliser. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kichel Pali, à la prochaine. Salut!